Voilà le tir et la rondelle va dévier à la gauche de Price. Et récupéré par Kucherov qui a remis derrière à Brown. Mais son tir à lui est intercepté et Gionta remet la rondelle au centre. Voilà Radko Gudas qui s'amène. Gudas tire, il rate la cible. Il en a un bon tir, Gudas. Et là, la rondelle se retrouve de l'autre côté. Kucherov tire et le but! Et voilà certainement ce qu'on souhaitait chez le Lightning pour calmer, enfin pas pour calmer, mais pour donner un souffle et une confiance à ces jeunes joueurs. Le quintet du Canadien est pris dans son territoire. L'entrée de territoire de Gudas a vu cette rondelle faire un bond capricieux sur la rampe derrière Price. On n'a jamais récupéré la rondelle et lorsque Kucherov est repéré dans l'enclave, son tir va battre Price entre les jambières, hors à la patinoire. Le Lightning marque le premier but de cette série. Alors le Lightning, en marquant le premier but cette saison, ont remporté 31 de leurs 46 victoires. Voilà Yemelin qui remet la rondelle vers le centre. Les Canettes s'amènent en contre-attaque, feinte de tir. Les Canettes s'exécutent et le but! Et le Canadien réplique aussitôt. C'est 1-1. La meilleure façon de réagir. Tomáš Plekanec va complètement se moquer de Radko Gudas. Gudas, il est robuste, mais on peut tirer avantage de son jeu défensif. Plekanec va feinter le tir et lorsqu'il s'amène d'un angle difficile, l'inback trop agressif est déporté et 19 secondes après que le Lightning ait ouvert le pointage, Tomáš Plekanec donne la réplique, partie supérieure, crée l'égalité. Bon, voilà un qui va certainement se placer de très hautes attentes pour lui-même au cours de ces séries. Plekanec. Mais disputé à vive allure. Pas beaucoup d'expérience du côté du Lightning. C'est comme si on avait compris ce que représentait l'intensité des séries éliminatoires. Et pas beaucoup de tirs au total. Et voilà un but! Oh! Steven Stamkos vient de complètement surprendre Carey Price. Et c'est 2-1. Lorsqu'on parle d'un joueur spécial capable de tout faire sur la patinoire, se moque de Prost, déborde Yemelin d'un angle quasiment impossible. Le fin marqueur va trouver le côté éloigné. Steven Stamkos peut marquer des buts de toutes les manières cette fois-ci. Le fait à lui seul, sur le flanc droit, toute une descente, en pleine vitesse. Prost, Yemelin et Price n'y peuvent rien. Le capitaine du Lightning redonne les devants à son équipe. Territoire. La passe à Phil Poula. Derrière à Stamkos. À Phil Poula. Et ensuite la passe dévie sur le patin de Stamkos. Edman s'avance, mais la rondelle est rejetée vers le centre. Et là, c'est Gionta qui s'amène seul. Le tir, le retour et le but! En infériorité numérique, c'est 2-2. On comprend maintenant toute l'ampleur de l'importance des unités spéciales. Le travail conjugué de Weaver et de Heller qui remet cette rondelle. Gionta avait flairé l'opportunité, s'échappe. Lindback résiste à la première occasion, mais n'y peut rien lorsque Gionta récupère lui-même son retour de lancer. Le Lightning n'utilise sur la patinoire qu'un seul défenseur lors de sa première vague de supériorité numérique. Gionta, le capitaine, en profite, donne la réplique à l'autre capitaine Stamkos, crée l'égalité, 2-2.
course aux dépens de Stamkos. Killorn le long de la rampe, remet derrière à Brewer. Brewer pousse le disque vers Goudas, le tir de Goudas qui échappe à Price. La rondelle a touché le bout de sa mitaine. Et voilà le tir de Killorn et le but! Brendan Prost s'en veut, Pierre. Il se prend la tête à deux mains. C'est qu'il vient d'être coupable d'un revirement dans son territoire. Rondelle qui aboutit dans l'enclave et en se retournant sur lui-même, Killorn décoche un tir puissant. Revoit le travail ici, la rondelle. Derrière le filet, Prost qui s'en empare, l'échappe et la remet sans le vouloir alors qu'il est dans une bataille à un contre un en compagnie de Tyler Johnson. Remet cette rondelle directement sur le bâton de Killorn en voulant empêcher Johnson de récupérer cette rondelle. Un 12e tir. Et ensuite, le tir est bloqué. Et c'est Vanek qui intercepte et relance l'attaque avec cette passe à Desharnais. Vanek va foncer vers le filet. Reçoit la passe et le but! Quel jeu! Superbement synchronisé. Desharnais et Vanek, c'est 4-3. L'exemple parfait du genre de menace que peut représenter le premier trio du Canadien. Non, on ne les a pas vus beaucoup. Non, ils n'ont pas été excellents à toutes les présences. Mais lorsqu'une occasion se présente, ils sont capables de faire la différence. Vanek remet à Desharnais. Le fin passeur attend que Vanek se débarrasse de Brewer en plein centre de la patinoire. Regardez de façon isolée le travail de Vanek au dépens de Brewer. La passe est parfaite. Lindback réagit en se déplaçant à sa gauche. À contre-courant, Vanek le bat du côté du bouclier. Redonne les... Envers Plekanec, il était bien posté devant le filet, aurait pu faire dévier du revers. Weaver rate son jeu, contre-attaque, Killorn avec Stamkos, la fin de la vie! Et c'est 4-4, et c'est ce genre de série, tu peux le dire officiellement. Weaver pris à contre-pied à la ligne bleue. C'est l'égalité. Rondelle libre dans le territoire du Lightning, suite à une passe transversale. Killorn s'en empare, Weaver se fait prendre. Au lieu de protéger le centre de la patinoire, tente de bloquer la rondelle le long de la rampe. L'ouverture est créée pour Killorn qui décampe depuis qu'il a été inséré à la gauche de ce trio. Lui aussi, il fait des dommages. Un but et maintenant une passe. Steven Stamkos, facile pour lui de déposer cette rondelle alors que Killorn attend patiemment le plongeon de Markov. Stamkos est là avant le repli du Lightning. Dépose cette rondelle pour un deuxième ce soir. À nouveau, c'est l'égalité. Et évidemment, peu importe le résultat, Marc, ce qu'on retient, c'est le nombre. Jusqu'à Georges, qui remet derrière le filet. Et là encore, Brière. Oh, il a tiré, il a mis! Lewis qui tire, le Canadien l'emporte. Et le quatrième trio vient de donner un cadeau inespéré à Marc Bergevin et à son équipe. Toute la soirée, Daniel Brière a été menaçant et c'est en remportant une bataille un contre un. Derrière la ligne des buts, en récupération d'une rondelle que Georges et Bournival avaient touchée, Brière repère Weiss fin seul, son tir sur réception. Dans la partie supérieure, à raison de Lindback, Dale Weiss, héros inattendu, scelle l'issue de la rencontre. Regardez le travail de Georges qui avait jonglé avec cette rondelle et le travail de Brière qui gagne sa bataille contre Brewer. On avait attiré Cédric Paquette derrière la ligne des buts également. Il y avait un surnombre dans l'enclave, Dale Weiss. Fin seul va décocher ce tir dans la partie supérieure. Est-ce que ça va passer sous le bras de Lindback? Oui, absolument. Lindback n'avait pas repéré le joueur le plus dangereux dans l'enclave. Dale Weiss et le quatrième trio donnent la victoire aux Canadiens. Dale Weiss qui l'aurait cru son premier point en histoire en séries éliminatoires. Ce n'était que son septième match cependant.
Et voilà la réaction du directeur général Marc Bergevin. Mais écoute, Daniel Brière, là, c'est 110 points maintenant en carrière.